Mais voilà, il y a d'autres types d'apiculture possibles. Il y a une unité sur cette planète de vie où chaque forme de vie apporte quelque chose qui est complémentaire à l'autre et indispensable. Si on enlève un point de la biodiversité, c'est l'ensemble qui bouge. Une des solutions à la portée de tous les jardiniers réside dans les plantations d'arbres mellifères. Un arbre, c'est en déroulé une surface énorme de fleurs. Si nous avons des abeilles, nous devons leur fournir des pollens et des nectars de bonne qualité. Alors, nous avons commencé à planter spécialement pour les abeilles. Les abeilles ont besoin d'être en paix. Ils ont besoin de beaucoup d'attention de notre part et de beaucoup d'amour. Et la connexion est créée entre elles et moi. On est en harmonie, on ne se pose pas de questions, on va voir les abeilles. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, et moi, je voudrais qu'ils puissent voir une ruche, puissent voir des abeilles butiner des fleurs, des abeilles domestiques avec les abeilles sauvages mélangées, et que mes enfants puissent le découvrir. C'est ça que je veux.